Je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui avec vous, avec Mélanie, qui a eu cette très bonne idée qu'on a eue ensemble en fait au début. mais je lui donne le crédit de la bonne idée. Au début de l'automne, en septembre, faire une petite surprise aux gens et agrémenter notre journée d'aujourd'hui avec un peu de poésie. Donc ça va être ça. Rapidement aussi, là, si vous aimez ma poésie, c'est toujours possible de vous en procurer dans le magnifique livre que je vous ai présenté tantôt. Je me souviens de vous, qui contient plusieurs de mes poèmes avec la merveilleuse musique de Christian Nadeau et les magnifiques toiles de Mélanie Poirier, ainsi que l'autre livre qu'on a publié, « Et si les mots parlaient », un collectif là, de 80 artistes d'un peu partout, un projet grandiose à lire absolument. Donc, je commence avec la présentation des toiles. J'ai décidé de commencer avec la toile de Mélanie. Mélanie expose ici des toiles inspirées d'un voyage, inspirées d'une vision aérienne, inspirée de l'Europe du Nord. Thématique qui m'a beaucoup touché. L'idée de carte, l'idée de territoire, d'étrangeté aussi. Sur ça, j'ai écrit le texte Danemark. Time will take you there, dans les beaux pays, toutes berges atlantiques, au royaume de soldats blancs, père de novembre et fils de Norvège, d'où les blancs ciels s'en sont allés. Beyond your thoughts and over the sky, le cœur à marée basse avec l'infini des brumes. Touche la peau de Kierkegaard à travers ton existence, à travers la Danmarkstørg, à travers le hublot qui te montre du rouge où tu devrais voir du bleu. Take your time, breathe, we will be there.